J+35 aujourd'hui dans mon processus de pause alimentaire. Quelques mots sur hier. Hier c'était Argelès et Perpignan et j'ai eu l'agréable surprise effectivement d'avoir la possibilité de prendre un bain de mer. Donc j'ai été me baigner donc dans la Grande Bleue comme on dit, dans la Méditerranée. Pour moi c'était une joie puisque c'était la première fois. Et donc, comme je l'ai dit sur la vidéo de la plage, ça me permettait aussi d'expérimenter le prana de la mer. Aujourd'hui, changement de décor, retour en montagne, cette fois-ci en Ariège. J'ai démarré d'un col de la Chouda à 1400 et quelques. Et là, j'ai commencé à entamer une randonnée avec mon ami Jean-Bernard, qui est resté bien sûr un peu plus bas. Selon ses possibilités. Et là, tout seul, je continue à gravir. Et en fait, là, je dois être à peu près à 1750, puisque la dernière indication indiquait 1600. Et là, je suis au plus haut d'où je peux aller. Je ne peux pas monter plus haut de la colline, enfin de la colline, de la montagne sur laquelle je suis. Donc mon processus se passe super bien. Là, l'idée de cette vidéo, c'était encore surtout de faire partager un panorama complètement féerique, magnifique, avec cette chaîne de montagnes qui se trouve devant moi et qui sépare donc l'Espagne de la France. Avec tous ces sommets qui sont encore enneigés, d'ailleurs sur ma montée, là j'ai pu rencontrer de la neige sur le chemin. Dans mon processus, je n'ai toujours pas faim, donc toujours sans alimentation solide, à part une, deux dates éventuelles, ce que j'ai fait hier midi, ce midi. En fait, je pousse mon corps à l'extrême, alors je ne sais pas si c'est bien, je sens que pour l'instant, il l'accepte, donc pas de problème, parce qu'en même temps, je suis en pause alimentaire et je suis en train de solliciter mon corps, donc à la fois en randonnée, tous les jours, et donc en ascension. Mais bon, l'idée pour moi étant de créer du muscle pour pas voilà, être totalement rachitique. Et donc peut-être que créer du muscle sans alimentation solide peut être compliqué. Donc j'utilise le sport. Un autre aspect que je voudrais aborder rapidement, c'est que vendredi, donc je vais rentrer sur Angers et je vais passer le week-end de Pâques avec des amis. Et dimanche, je sais qu'il y aura l'opportunité de célébrer un anniversaire, donc de partager un gâteau. Et aujourd'hui, je sais que je vais certainement prendre une part ou une demi-part de ce gâteau. Pourquoi simplement? Non pas parce que j'aurai faim, mais pour garder l'aspect de célébrer, de partager avec des amis quelque chose d'important. Voilà, je ne veux pas que ce processus soit quelque chose qui me coupe totalement de mes amis, mais là la différence ce sera un choix de mettre quelque chose dans la bouche pour partager ensemble et non pas une compulsion alimentaire, un besoin de se remplir. Là tout est la différence. C'est vraiment pour ça que j'anticipe là quelques jours avant de parler du fait que dimanche, donc il y a certainement je vais prendre une petite part de gâteau. Voilà. Mais je pense que c'est pas pour ça que ça va rompre mon processus. C'est simplement avoir la capacité de s'adapter à la situation. Et je trouve ça important dans la démarche que j'entame aujourd'hui. C'est-à-dire avoir le choix de manger, de mettre quelque chose dans la bouche et non pas d'être sous l'influence d'un mental qui mange uniquement par émotion. Voilà, juste ce que je voulais dire. Et autrement, cette nuit, après la journée d'hier à Argelès et à Perpignan,
a été beaucoup plus longue que d'habitude, puisque j'ai dormi pratiquement 8 heures, ce qui est assez extraordinaire, puisqu'en général, je dors 5 petites heures. Voilà, globalement, ce que je pouvais rajouter. Et ce matin, au réveil, ce n'était que présence, joie et silence. Un peu comme le silence qui est là maintenant, en haut de cette montagne. Voilà, silence peut-être, et je m'en excuse auprès de la nature, perturbé par le son de ma voix. Voilà, je vais faire un petit panorama là maintenant, vidéo de ce qui est vu, d'où je me trouve, pour partager vraiment cette beauté de ces chaînes, de cette chaîne de montagne. Bien voilà, j'espère que ces images seront visibles. Voilà, étant l'idée de vraiment partager la beauté de la nature, nous faisons partie intégrante de cette nature, donc c'est vraiment une joie, même une grâce, un privilège pour moi d'être là aujourd'hui sur ce sommet. Bien donc, à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo pour partager, continuer de partager ce processus de pause alimentaire. Oh.